J'espère que ça va bien. On est mercredi, il est 8h05. J'avais parlé avec les gars à la garderie, puis je parlais avec mon éducatrice parce que elle me dit oh, puis tu remplaces-tu tous les jours cette semaine? Puis j'ai dit oh non, j'ai dit j'ai juste aujourd'hui à date, tu sais. J'ai dit puis là, tu sais, je fais le dîner puis la sieste des enfants là, tu sais, fait que je sais pas si tu sais. Pour ceux qui ne savent pas, là, ça peut être rock'n'roll en tabarnouche, là, quand tu connais pas les enfants pis tout. Pis là, j'ai dit « Ah, pis toi, ça va-tu bien, tu sais, ici, les dodos? » Elle dit « moi, je ferme mes lumières, je mets ma musique de sieste. » Pis là, elle dit « Ok, tout le monde, on va sur son matelas. » Elle dit « Pis c'est la seule affaire que j'ai à dire. » Elle dit genre « Tout le monde se couche, pis là, ils tombent tout endormis. » J'étais comme « Oh, ouais, tu sais? » Fait que là, j'ai disais « Ah, s'il y a des éducatrices dans mon groupe, là, vous allez... » Dans mon groupe. Dans mon... D'entre vous, vous allez vraiment comprendre, là, mais t'sais, les enfants sont comme couchés sur des matelas, sur des matelas, là, dans le fond, des petits matelas. Puis, ils sont comme en plastique, t'sais, imperméable. Puis, genre, j'ai dit, parce que là, j'avais le wet bag à la... Ah, j'en ai un site. J'avais le wet bag à Laurent dans les mains qui fait exactement le même son. Mais, dans le fond, là, les enfants, quand ils dorment pas, t'entends juste ça. Genre, pendant 2 heures de temps, les enfants qui dorment pas, là. Parce que les enfants bougent, puis là, ils grattent, leur matelas, puis là, ils touchent au meuble, puis là... Fait que là, là, hey, mon éducatrice était crampée, là. Elle était là, oh mon Dieu, elle dit, je comprends tellement ce que tu faisais, puis elle riait, là, elle trouvait ça drôle. Puis elle était comme, hey, pendant 2 ans au CPE, j'ai eu des 18 mois, genre, 18 mois, 18 mois, 2 ans et demi, qu'elle me disait. En tout cas... Puis elle dit genre, pis c'était ça, pis après ça, elle dit, j'ai eu un groupe de 2 ans et demi à 3 ans et demi, pis elle dit, c'était l'enfer, les couchers, là. Je dis, ben c'est ça, tu sais, j'ai dit, moi, les 4 ans à date, là, c'est ça, c'est comme, ils veulent pas dormir, tu sais, pis là, je disais, pis là, ils me disent, mais là, je suis pas capable de dormir, là, elle riait, tu sais. J'étais comme, ben oui, mais tu t'aides pas, là, tu sais, t'es assis sur ton matelas, là, c'est pas ça, là, c'est sûr que tu dormiras pas, en tout cas. On a juste vraiment ri. C'était très drôle. Parce que, tu sais, on est comme les deux. Je suis la seule des parents, dans le fond, qui fait ça dans la vie, tu sais. Fait que je suis comme la seule qui peut comme relate, là. Puis on se pose des questions comme ça, tu sais. Fait que, oh, on sort les oeufs. Je l'avais même pas consorté le matin. Fait que c'est ça. Là, j'ai bien de linge à plier, comme je vous disais. Beaucoup de linge à plier. Je vais commencer ça là. Je vais me faire mon café. Puis je vais plier ça sur ma table là, en écoutant un vidéo sûrement. Puis genre regardez. C'est ça que j'ai plié. Tout ça. Fait que je me lance là-dedans. Je vais vous filmer ça. Parce que je sais que vous aimez ça quand je vous filme ce que je fais plus que ce que je le dis. Mais comme je vous dis, moi, des fois, c'est que je fais juste vraiment pas y penser. Ou tu sais, je me dis à quel point c'est pas pertinent, mettons. Mais c'est sûr que c'est plus fun de voir quelqu'un faire quelque chose que de se faire dire qu'elle l'a fait. Whatever. Fait que je me lance là-dedans, puis on se reparle tantôt. Bonne journée! Il est 8h45. Je viens de finir de plier mon énorme panier. J'avais hâte, sérieux, ça fait comme 35 minutes que je plie du linge. J'étais à bout de plier du linge, j'ai pas besoin de vous le dire. Fait que là, mon café est coulé, puis ma cafetière doit être à veille de fermer. Non, tu sais, elle reste ouverte à peu près 2 heures là, pour réchauffer le café, puis ça se ferme tout seul. Fait que je vais me faire mon bon café. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je vais me laisser un petit 45 minutes. Puis après ça, je vais aller dans la douche. Puis c'est ça. Fait que là, je vais regarder ça. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Aucun ado focal. Sérieux. Je vais encore bien sortir à souper. Non, c'est pas possible. Il est même pas d'heure. À soir, la gang, ça va être du poulet.
Fait que, j'oublie de le mettre dans le... Voyons, on va dire dans le four avant de partir, pour que mes cheveux le mangent. Fait que ça, là, je finis à 3h45 tantôt, fait que... Sur un mec pour aller chercher les gars à la garderie. Ça me fait bizarre de faire ce chiffre-là. D'habitude, tu sais, je reviens. Quand je passe ce temps-là, d'habitude, je reviens une heure avant que les gars arrivent, puis tout, avant que j'aille chercher les gars. Mais là, non. Ça va gauler à soir, les amigos. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que quand je finis à 5, mettons, ben, tu sais, Jérémy, il a déjà fait ce qu'il avait à faire, là, tu sais. Fait que les gars ont pris leur collation, leur rendu son lait. Tu sais, c'est comme tout, t'es dans tout. Là. Puis là, moi, j'arrive, puis on mange, puis ça finit là. Mais c'est sûr. Fait que là, à soir. Ça va gauler. Fait que ça, je vais prendre mon petit café, je vais aller prendre un break. Puis après ça, je m'en vais faire la cage à Zoé. Parce qu'il faut que je la fasse. Puis après ça, je m'en vais dans la douche. C'est quoi l'autre fois que je voulais faire et tout, mais ça, je m'étais dit que je voulais faire autre chose. Faire la cage à Zoé. Je me souviens plus. En tout cas, hey, j'ai fini mon lavage hier, finalement. Hein. Genre... J'ai tout fait. Fait que je vais aller chercher Zoé. Qu'elle vienne avec moi dans le salon. Es-tu Zoé? Es-tu Zoé? Es-tu? Oh oui. Un matin, elle a volé jusqu'à moi quand je suis en train de plier du linge. Oui, des camions dehors. Ils font la construction, les camions, Zoé. Genre. Gros camion. Ça l'arrête plus, les gros camions. Fait que. On va faire ça puis on s'entend tantôt. Il est rendu 10h. Je sors de la douche, comme vous pouvez remarquer. Je suis toute prête à aller travailler. Mais je pars juste dans comme 1h15. Fait que là, je vais emmener mon ordi pour écouter. Là, c'est la vidéo à Florence 99, mais j'ai emmené mon ordi pour écouter le vlog à Stéphanie qu'elle a sorti ce matin. Je vais écouter ça. Après ça, je me suis souvenu ce que je voulais faire. Je voulais faire l'aquarium de la tortue. Il est vraiment dû. Puis ça a l'air que si je le fais pas, personne va le faire. Fait que je vais faire ça. Puis bon, Zoé est rendu en haut de son anneau. C'est ça. Fait que je vais faire ça. Puis j'ai même pas en fait la cage à Zoé. Parce que finalement, je me suis mis dans mon émission. Puis j'ai complètement oublié. Oups. Fait que je vais écouter le vlog à Stéphanie. Puis le temps qui reste après, je vais faire la cage à Zoé. Puis l'aquarium de la tortue. Oups, j'essaie de prendre ça là, je me prends pour une autre. À penser que je suis capable de faire ça. Ok. Je me suis fait, ben pas couler mon café, mais je me suis réchauffé mon café, il me reste un petit fond. Fait que j'ai pris ce qui me restait dans ma cafetière pour le réchauffer. Ça m'a fait un deuxième café. Puis comme, je sais pas si vous vous souvenez là, que j'avais, ben vous vous souvenez, ça fait pas 1000 ans. J'avais full mal à la tête comme, j'ai eu super mal à la tête comme... à tous les soirs pendant comme une semaine et demie. Puis, tu sais, comme à partir de 3h, j'avais mal à la tête. Puis c'était beaucoup. Mais en même temps, j'essaie de me souvenir, c'était quand? C'était-tu la semaine que j'ai full travaillé? C'était-tu la semaine passée? Je pense que oui. Puis en tout cas, c'est comme les matins, j'avais pas le temps de prendre de café. OK? Puis, vendredi. C'est-tu vendredi matin? Ouais, que j'étais allée me chercher un café glacé avant d'aller travailler. Ou jeudi, en tout cas. Puis j'ai pas eu mal à la tête. Genre, what the fuck? Non, jeudi, j'étais allée me chercher un café normal. C'est ça. Puis vendredi, j'étais allée me chercher genre un café glacé. Puis ces deux journées-là, j'ai pas eu mal à la tête. Puis là, depuis que j'étais genre toute la fin de semaine, puis tout, depuis que, tu sais, je commence à... comme aujourd'hui, je commence à 11h30, je me sors un café, puis tout. Ben genre, j'ai pas mal à la tête. Fait que là, je suis en train de devenir cette addictive au café qui a besoin d'avoir un café pour pas avoir mal à la tête, genre. Ça me fait capoter. En tout cas. Fait que, en tout cas, je trouve ça bizarre, mais en même temps. Tu sais, si c'est vraiment ça, tu sais, tant qu'à me geler au Tylenol, là, à tous les jours, quand je travaille, ben, tu sais, je vais me lever plus tôt le matin, puis je vais me faire un café, puis je vais me l'amener, tu sais. Fait que moi, il y a du café à job, mais je sais pas, tu sais, j'aime pas trop ça, comme. Je me le fais moi-même, mais c'est tout. Fait que sérieux, je pense que je vais commencer à faire ça si c'est vraiment ça qui me donne mal à la tête, là. C'est vraiment bizarre. Fait que, en tout cas, je sais pas si c'est un addon, là. J'ai quasiment le goût de réessayer, tu sais, comme pendant 4 jours, mettons, de pas prendre de café, voir si je vais avoir mal à la tête. Mais c'est ça.
Avez-vous vu mes cheveux? Regardez, j'aimerais ça qu'ils restent frisés quand je sors de la douche, mais ça, j'ai les peignes. Puis j'ai pas de séchoir. Faudrait que je me fasse sécher au diffuseur puis tout, mais... Comme, pis tu sais, il y a quelqu'un qui m'avait dit, genre, tes cheveux sont pas réellement frisés s'ils sont pas frisés comme quand ils sont mouillés, là, tu sais. Mais genre, dans la douche, mes cheveux sont frisés. Mettons, là, mes cheveux sont bien pleins d'eau, là, ben là, mes mèches sont comme un peu torsadées, genre. Mais, je sais pas. Je sais pas. Okay. Bref, j'ai écouté le vlog de Stéphanie, puis hier ça, je fais la cage de Zoé. Après ça, je fais l'aquarium de la tortue, puis je m'en vais travailler. Checker le mess qu'elle m'a fait. L'enfer! Au moins, je vais savoir qu'elle a mangé des fruits aujourd'hui. Parce que plus ça va, moins on dirait qu'elle mange ses fruits. Ça me gosse un peu. Mais là, bon, tu as vite passé sur ta cage. Reste à peu près 20 minutes avant que je parte, bébé. Fait que c'est ça, là, la cage est toute propre. J'ai tout lavé malgré que je la fais à peu près une fois par mois, là, parce que tout passe à travers. C'est juste des petits trucs qui restent poignants par-dessus, genre, qui restent collés des fois. Puis, le barreau, je le fais à peu près une fois aux deux semaines, là. Elle va jamais dessus, c'est juste qu'elle fait caca dessus, genre, vu que sa corde est en haut de ça. Fait que bon, ma pomme, check ça, ma pomme va aller au compost. Tout le reste aussi, d'ailleurs. Fait que là, il me reste, ouais, genre 15 minutes avant de partir. Fait que là, je me demande si je fais la... Je pense que je la ferai pas. Je pense que je vais la faire soir ou demain. Là, demain, dans moi, je risque de pas travailler, là. Fait que je risque de faire ça demain, ça va être plus. Mais je vais avoir plus de temps. C'est pas que j'avais pas de temps, c'est que j'ai mal utilisé mon temps. Vous allez me dire. Et vous avez totalement raison. J'ai juste mal utilisé mon temps. En même temps, c'est pas grave. C'est genre, c'est même pas ma tortue, là. Genre, moi, cet animal-là, là... Il me fait pas un plus à la différence, ben franchement, c'est triste de dire ça de même, mais genre, une tortue, ça sert à rien, on va se le dire. Puis c'est ça, c'est l'oiseau, c'est la tortue à Jérémy. C'est à lui de faire ces affaires-là, c'est juste que souvent, tu sais, je sais que j'ai pas un plus de temps que lui dans une journée, souvent, pour faire ces trucs-là, fait que je le fais pareil, tu sais. Mais c'est ça, j'ai priorisé Zoé à sa tortue, naturellement.
Bika, Zoé, c'est mon oiseau. Puis comme justement, là, genre Jérémy a rien à faire avec Zoé, là, comme... Genre, il joue avec pis tout, mais tu sais, j'ai jamais demandé de, comme, il donne à manger, de changer son eau, de changer ses pipipades pis tout, là, c'est vraiment moi qui cherche ça à 100%. Tu sais, à part si, mettons, je suis partie une fin de semaine, là, je veux dire, il s'en occuperait, mais... C'est ça, tu sais, c'est mon oiseau, fait que c'est moi qui s'en occupe. Pis c'est bien correct de même. Parce qu'en même temps, je veux qu'elle continue à me voir comme étant son maître, là, tu sais. Je veux pas qu'elle s'habitue trop à Jérémy, puis que l'artiste, ça soit moi qui se pique à de la toucher, puis de la prendre, puis de faire ce que je veux avec. Puis à date, ça va bien. Là, tu sais, je dis à date, ça fait quand même 3 mois que je l'ai, mais en même temps, ça fait juste 3 mois, tu sais. J'en ai pour encore peut-être 60 ans, tu sais, avec elle. Fait que je veux vraiment... puis je veux pas qu'elle ait peur des hommes, puis tout. Fait que, tu sais, je vais... J'essaie vraiment de la laisser... T'sais, je laisse Jérémy la gosser pis tout, mais en même temps, je veux pas qu'elle gosse trop pour pas qu'elle tombe comme en amour avec, là, t'sais, en tout cas. Ce n'est que de la logistique, tout ça. Parce que, t'sais, mettons, un chat qui trippe pas sur toi, il va juste pas venir te coller, mettons, mais comme un oiseau qui t'aime pas, ben, ça crie, tu peux pas rien faire, t'sais, comme, mettons, je partirai une fin de semaine pis Jérémy faudrait qu'il s'occupe de Zoé, là. Genre, Jérémy pourrait même pas, comme, il met de la bouffe dans sa cage sans qu'elle morte, mettons, si elle l'aimait pas, là, t'sais. Fait que... Elle est pas tant à l'aise parce que quand il a. Mettons, il est capable de la faire. Il est capable de la prendre de son perchoir, de l'amener sur sa cage, de la pogner de sa cage, de la mettre dans le sac de transport pis tout. Il est capable de la manipuler, mais mettons, il peut pas la flatter. Genre, elle veut pas. Ben, il est capable, là. Mais genre, fait. De même, là. Pis moi, elle le fait pas. J'aurais bien aimé ça vous montrer c'est quoi le son que ça fait, là. Mais à moi, elle me le fait pas jamais. Mais ce moi, je peux la flatter, je peux faire ce que je veux avec, tu sais. Ouais, Zoé! T'es-tu contente de t'avoir mangé ta pomme? Ouais, t'es un beau cochon, je le sais. Hier, on était sur le cheval avec ma belle-mère. On essayait d'y apprendre à faire le cheval. Bon, fait que je pense qu'avec le temps qui me reste, je vais commencer déjà à faire le montage du vlog là pour qu'il soit prêt. Tu sais, que je puisse juste racheter les petits clips que je vais filmer après ça, un après l'autre, pour pas que je sois pas à faire comme un long montage ce soir. Pis que si jamais je me fais appeler demain matin ou que je me fais écrire pour rentrer à 8h30 demain, parce que je veux que vous ayez le vlog quand même. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais faire le montage du vlog. Je m'en vais travailler puis je vais essayer de vous reparler tantôt. On est le lendemain. Je suis désolée de ne pas avoir conclu hier. Finalement, si on est venu travailler puis ça a vraiment déboulé, là. Fait que j'ai pas pris le temps. Mais c'est ça. Fait que hier... Oh, ouais. Hier, c'est moi qui allais chercher les gars à la garderie, parce que Jérémy était un petit peu coincé dans le trafic, fait que c'est moi qui allais arriver avant. Mais genre, on est quasiment arrivé en même temps, parce que, mettons, je suis allée chercher les gars, puis quand je suis arrivée, ils venaient d'arriver, genre. Fait que, en tout cas, c'est ça. Puis la journée s'est super bien passée, le groupe était super... ben, je l'ai trouvé un petit peu plus rochant que l'autre groupe. Oh, j'ai un fil après mon chandail. Mais ça, je l'ai trouvé un peu plus rochant que l'autre groupe de 4 ans. Mais, tu sais, mettons, eux autres qui ont toutes dormi à la sieste. Genre, tu sais, mettons, le temps de la sieste, là, c'était vraiment pas quelque chose de compliqué, là. Tu sais, ça s'est vraiment bien passé. Puis, genre, il y a une madame, là, qui m'a crissé à la peur de ma vie, là. Parce que, genre, leur collation, c'était des céréales avec du lait. Puis là, elle vient me dire, genre, ah, lui, il prend du lait sans lactose. Puis, en tout cas, puis là, j'entends le mot céréales sèches. Mais là, je me dis. Ok, ben elle m'a dit que les céréales sèches, c'était comme, soit ils voulaient des céréales sèches, sinon tu pouvais aller demander du lait sans lactose, tu sais. Mais là, non, fait que là, genre, je suis en train de servir les enfants, puis là, lui, je donne avec du lait sans lactose, parce qu'il veut avec du lait sans lactose. Là, je donne du lait à tous les enfants, puis là, elle se met à rentre dans mon local, puis là, elle se met à paniquer, genre, « Oh mon Dieu, il faut pas que tu donnes de lait à lui, là, nanana! » Puis je suis comme, « Ok, mais comme je le savais pas, tu sais. » Elle dit, ben c'est ça que je t'ai dit, nanana, nanana. Là, le style d'enquête part dans le CPE, là. Pour que finalement, cet enfant-là ait le droit de boire du lait, genre. Il y avait comme une intolérance au lactose, mais là, comme sur sa fiche de santé, ça a été barré, puis tout, là, tu sais, comme. Il réagit plus. Fait que là, tu vas lui poser des questions. Est-ce que t'as mal au ventre ou est-ce que t'as mal quelque part quand tu bois du lait? Puis il était comme, non. Genre, fait que là, elle m'a fait passer pour une calice d'incompétente, là. Puis là, après ça. Il y a une autre madame que j'ai jamais vue de ma vie, là, qui a fait les départs puis les arrivées sûrement le matin, mais comme je l'ai jamais vue, c'est la première fois que c'était elle qui le faisait quand j'étais là. Puis là, elle vient me voir, il est comme 3h15, là, tu sais, 3h20.
Puis elle me dit, tu finis à quelle heure? Je dis, ah, je finis à 3h45 parce qu'on passe notre temps à se demander c'est quand qu'on finit de travailler, là, tu sais, pour savoir qui va être avec qui le soir, là, tu sais. Puis là, je dis, ah, 3h45. Elle dit, ok, ben là, tu peux commencer à les faire ramasser puis les envoyer au vestiaire. J'étais comme, premièrement, ils ont fini de ramasser. Deuxièmement, je sais calissement ce que je fais, fait calisse ton camp, genre. Tu sais, j'étais comme, tu sais même pas je suis qui. Je sais pas t'es qui non plus. Viens pas essayer de me bosser. Elle devait penser que c'était la première fois que je venais, genre, mais. Chris, j'ai passé une semaine là, la semaine passée, là, tu sais. Puis donc, d'avant, j'ai passé tout. J'ai fait un. Genre, un 4 jours. Je veux dire, je sais ce que je fais là, tu sais. J'étais comme. Moi, y'a rien qui me gosse plus là, d'envie que le monde qui pense tout savoir, puis qui pense, qui aime ça, j'ai raison. Là, c'est. Tu veux t'asseoir? Quoi tu fais? Youpi! En tout cas, c'est sûr. J'étais là, t'aurais dû dire. J'étais comme, ben le monde. Ça me tente pas de me pogner une madame que j'ai vue une fois dans ma vie, mais. Tu sais, je pense que la prochaine fois qu'elle me fait un commentaire de même, je vais vraiment dire comme, ouais, c'est correct, je sais, je travaille là-dedans, là, je sais ce que je fais, tu sais. Mais genre, elle me dit ça, mon local était tout ramassé, les enfants étaient en train, genre, de ranger leurs dessins dans leur sac, là, tu sais. J'étais juste comme, ta gueule, là, on s'en va s'habiller pour aller dehors, là. Crisse-moi patience. Fait qu'en tout cas, bref. Mais j'ai. Laurent, on a eu autant de misère avec lui. Hier soir, fait qu'on l'a couché à genre 6h10, le soir il s'endure plus de vivre. Tu veux-tu débarquer? Tu veux débarquer, Laurent? Il a l'air bien. Fait que c'est ça. Bref, fait que là-dessus, je vais vous souhaiter une belle journée. Puis on va se revoir demain parce que je vais vlogger aujourd'hui aussi. Bye!